le scrutin relatif à l'élection des membres du bureau exécutif sera placé sous la présidence du bureau d'âge, tandis que l'amendement du règlement intérieur se déroulera sous la présidence du bureau exécutif que vous allez élire. Démarré par le mot d'ouverture du représentant du gouvernement, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des Peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, la lecture de l'arrêté portant convocation du conseil inaugural par le délégué du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, la lecture des 7 points à l'ordre du jour, entre autres, la vérification des présences, le rappel des dispositions d'organisation du scrutin, la mise en place du bureau d'âge, l'élection des membres du bureau exécutif, et l'intronisation du président du conseil, les 25 conseillers municipaux informés des modalités du scrutin par le bureau d'âge ont été amenés à se prononcer quant aux postes à pourvoir, à savoir la présidence, la vice-présidence et le secrétariat. Pour la majorité présidentielle, la proposition au poste de présidence a porté sur le distingué conseiller Ndouna François qui a accepté, et au secrétariat, en la personne du distingué conseiller Ilindo Pascal. Quant à la vice-présidence, le distingué conseiller Paka René s'est présenté volontaire. L'opposition, quant à elle, a proposé à la vice-présidence la distinguée conseillère Boaka Judith. Après un court moment de motion de suspension des travaux pour consultation avec les partenaires, à la demande de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale non accordée par le Bureau des âges et des propositions de la majorité présidentielle, le vote s'est déroulé. Et à l'issue de celui-ci, président Ndouna François a obtenu 22 sur 25. Je vous déclare, à compter de ce jour, officiellement investi et installé dans vos fonctions de président du conseil municipal, maire de la ville de Mosséno. Après la lecture du procès-verbal du bureau exécutif du conseil municipal de Mosséno, Ndouna François a été intronisé président du conseil municipal et maire de la ville de Mosséno.